Allez, bonjour à vous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bon, là, je fais juste cette petite intro avec le bigot pour montrer, parce que la dernière fois je voulais faire une vidéo dessus, mais la vidéo était complètement chicadée, pourrie, comme vous appelez ça comme vous voulez, enfin bref, ça veut dire j'ai reçu une nouvelle GoPro. Donc je vais poser ça en fait. Hop, donc du coup, bon, ça c'est juste une boîte vide, donc là-dedans je mets mes accessoires, etc. Donc actuellement, la carte SD qui est disparue. Pas grave. Ça, et puis ici, bah forcément, la GoPro, la nouvelle Hero 9. Black ou normal, je sais plus, je crois que c'est black, ce n'est qu'une. Bref, donc ça, avec, j'ai aussi commandé une batterie de rechange, donc une batterie supplémentaire, ça va toujours bien je pense. Ça, et puis du coup j'ai une carte SD qui a des pop disparu, comme vous appelez ça, peu importe, ça revient au même je pense. Non, en vrai, je pense qu'elle doit être derrière le, voilà, elle est tombée derrière ça, beaucoup de chance. En bref, j'ai commandé ça, je sais plus du tout le prix, je vais pas vous mentir. Mais bref, c'est pour dire que du coup, je filme avec ça. Aujourd'hui, on est à Ragancy et c'est parti pour une présentation et puis des tours. Je vais juste montrer ça, hein, forcément. Si j'arrive à le choper. Tout neuf. Déjà, rien que là, je trouve que ça stabilise déjà carrément pas mal. Droite à gauche, bon, ça stabilise pas des masses parce que forcément, si je tourne, faut pas. Mais en revanche, là, si jamais je viens de tourner le casque, c'est vrai que ça stabilise pas mal. Et bref, on va aller rouler. Voir si j'ai pas trop froid, et sinon bah je reviendrai, je me mettrai un peu en plus. Voilà, c'est un truc, ça sert à rien et tout. Bref, ici c'est Ragancy, c'est un petit terrain que j'aime franchement pas mal, et je suis venu ici quasiment tout l'été, et j'ai tout le temps beau, c'était toujours béton. D'ailleurs mon pneu, je le démontre, hein. mais la seule fois où j'ai la GoPro, bah il pleut, donc clair, pas grave. Bref, vous avez le terrain dans les pires conditions, pour que le meilleur ne soit qu'à venir. Là on est déjà pas trop trop mal. I've come to talk with you again.
It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Parce que là, on va pas se cacher que mes doigts sont en vrac. Ouh. Hop là. Bon, j'espère que la GoPro n'est pas tombée cette fois-ci. Non, c'est à la vie. Enfin bref, faire une petite montée. Bon là, il y a une petite passerelle, c'est pas trop mal. Surtout pour les personnes qui veulent prendre des photos. Bon, je sais que ceux qui regardent des vidéos sont pas forcément des gens qui regardent la moto pour prendre des photos. Mais c'est pas trop mal en vrai. Ah ben, il vient rouler l'autre. Fais le mort, Kylian. Fais le mort. C'est nul cette chute, fais le mort. Je crois que la trace de mon corps au sol. Bon, je dois être crade là. Oh non, putain, c'est trop chiant quand tu as plein de boue sur le guidon. Ah, c'est horrible. Ah, c'est vraiment horrible. Bleh. C'est incroyable, toute la boue que j'ai chopée. Voilà, comme ça, si j'avais pas de boue côté gauche, j'en aurais sur le gant. C'est une super idée, ça. Incroyable. Bon, bah, du coup, je reste là. Hein. Je suis mort. C'est mieux pour. C'est sympa la flaque. Hein. Moi, justement, en fait, je me suis pas arrêté pour tomber. Je me suis arrêté parce que je trouve que c'était franchement sympathique le petit paysage. Là. Vraiment, le fait de voir l'appel, etc. C'est faux, je me suis cassé la gueule. Bon. J'étais en combien là? Parce que se trouve, j'étais en 6. Là. Ça a l'air d'aller. Suspense, c'est ce qu'elle démarre. Yes! Je ne voyais pas la sortir, on va dire. La GoPro, elle est dure, quoi. Ça a pas l'air.
Thank you.